So I have here in front of me, I mean, a book of Teilhard de Chardin called Le Phénomène Humain, which is a major work. And so, in fact, it's very interesting with that copy because it is not a published copy, but it is a kind of copy which is a rhenotype. And what Teilhard de Chardin himself was working on that manuscript, and he wrote that book in Beijing. And so, when he was here during the Second World War, he wrote that book. And so, that is a copy that Teilhard de Chardin had in his hands. And that he gave to one of his friends here, the professor Chaumard. Yeah. And what is interesting, that book that was written by Teilhard de Chardin in Beijing, so that copy, in fact, it was done in Paris in 1947. So at that time, Teilhard already left Peking, and he was in France in 47, but he was not allowed to publish things. So it's why he was typing on this typewriter, he was typing this document, and he was giving the document to his friends. And it is only after his death that that book was allowed to be published, and it was translated in more than 20 languages. Rien de délicat et fugitif par nature comme un commencement. Aussi longtemps qu'un groupe zoologique est jeune, ses caractères demeurent indécis. Son édifice est tendre, ses dimensions sont faibles. Peu d'individus relativement le composent et qui changent rapidement. Aussi bien dans l'espace que dans la durée, le pédoncule, ou ce qui revient au même le bourgeon d'un rameau vivant, correspond à un minimum de différenciation, d'expansion et de résistance. Comment va donc agir le temps sur cette zone faible? Inévitablement, en la détruisant dans ses vestiges. Irritante mais essentielle fragilité des origines, dont le sentiment devrait pénétrer tous ceux qui s'occupent d'histoire. Lorsqu'en tout domaine, une chose vraiment neuve commence à poindre autour de nous, nous ne la distinguons pas, pour la bonne raison qu'il nous faudrait voir dans l'avenir son épanouissement pour la remarquer à ses débuts. Et quand cette même chose ayant grandi, nous nous retournons pour en retrouver le germe et les primes ébauches, ce sont ces premiers stades à leur tour qui se cachent, détruits ou oubliés. Où sont, si proches de nous pourtant, les premiers Grecs et les premiers Latins? Où sont les premières navettes, les premiers chars et les premiers foyers, ou déjà les premiers modèles d'automobiles, d'avions, de cinéma. En biologie, en civilisation, en linguistique, partout. Telle la gomme entre les mains d'un artiste, le temps efface chaque ligne, faible dans les dessins de la vie. 因此, 当我们回溯过去时, 觉得物是以现成的形式出现的, 就毫不奇怪了。 发育通过时代的选择性吸收自动的希望从我们的眼前消失，并且在整个现象领域转变成平面与稳定性的断断续续的连续性。就这样，在过去的破坏性作用，这种作用是和成长的创造性作用结合在一起的。生命树的分支对科学来说最终显现和分离出来了。就是这段。 它里面谈到了一个，我其实也是我一直以来对世界的一种期待，谈不上认识一种期待，就是我觉得就是过去的一切都不曾消失，都不曾被毁灭，它们只是从水面静静的消失掉，它们都没有被毁灭，所以我觉得德日进他从一个古生物学家的角度，或者从一个精确性的角度为这种设想。 展开一个提供了一个新的论据，它就是把整个的世界的进展几千万年来是一棵宏大的一个生命树，所以我们因为我们的眼力有限，我们看不见，比方说泥土之下的根，我们觉得过去的一些东西已经被毁灭了，但其实没有，它告诉我们，这是只是一种规律，就是说起始阶段，当它完成它的任命使命之后，它就会消失的，但它消失，它并不是被毁灭。 它只是就像叶脉一样，就跟树根一样，它还仍然还在，它仍然是
我们就是我们当下的血液的一部分。所以我觉得这样的一种感觉会给一个人的生命一种巨大的一种动力，就是我觉得就是整个世界是一体的，就是说我觉得是蛮振奋的。或者说我前两天说到挽留，我觉得这对个人来讲也是一个很好的安慰，就是你所有失去的一切，就是你曾经最珍爱的东西，随着时间也许会慢慢的过去，但是呢它其实没有过去，因为在这棵整个的生命这棵树上，它只是慢慢的沉积下来，就像化石一样，它沉积下来，而你在不停的往上走。你如果想让这个它真的不毁灭，你只有继续走，继续的再往上走，让自己成为这棵生命树上最最鲜艳的，或者说最鲜绿的一枝，这样这个整棵生命树，只要你在，这棵生命树就还在。